cours de langue et de civilisation française. La nouvelle édition. Première partie. Leçon 1 à 14. L'alphabet phonétique international. D'après le classement de M. Pierre Fouché, directeur de l'Institut de phonétique. 1. Voyelle orale simple. I. Si. Pyjama. E. Fermé. Été. E. Ouvert. Être. Crème. Mais. A. Antérieur. Pâte. A. Postérieur. Pâte. O. Ouvert. Or. O. Fermé. Zéro. O. Ou. Ou. 2. Voyelle orale composée. U. Égale. Ou pour les lèvres. I pour la langue. Tu. E. Égale. O pour les lèvres. E pour la langue. Bleu. E. Égal. O pour les lèvres. E pour la langue. Heure. 3. E. Dit muet. E. Premier. 4. Voyelle orale nasale. 1. Produit avec voyelle orale simple. E. 20. En. Produit avec voyelle orale simple. A. En. On. Produit avec voyelle orale simple. O. On. Un. Produit avec voyelle orale composée. E. Brun. 5. Semi-voyelle. Oui. Lui, piller. 6. Consonne. Be, bas. 2. Dur. Feu, fort, phare. Gueux, gant. Je, jeune. Gigot, mangeons. Que, corps. 5. Qui, kilo, écho. Le, me, ne, ni, peu, papa, re, or. Ce, commençons, 10, te, tu, théâtre, ve, vous, ze, disons, 0, 10e, che, chat, schéma, mieux, peigne. Le signe 2. Marque un allongement de la voyelle. Le signe 1. Marque un demi-allongement. La chaise de pierre. Page 23. Leçon 1. Un homme. Une femme. Un garçon. Une fille.
Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. C'est une serviette. C'est un cahier. C'est une gomme. C'est un stylo. C'est une règle. C'est un crayon. C'est une table. C'est un banc. C'est une chaise. Est-ce un banc? Oui, c'est un banc. Est-ce un banc? Non, ce n'est pas un banc, c'est une table. Page 24. Prononciation. Un homme. Un garçon. Une femme. Une fille. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. C'est un banc. C'est une table. C'est une gomme. C'est une chaise. Est-ce un cahier? Non, ce n'est pas un cahier, c'est un crayon. Page 27. Leçon 2. Un livre. Des livres. Une chaise. Des chaises. Est-ce un livre? Ou est-ce que c'est un livre? Oui, c'est un livre. Est-ce que ce sont des livres? Oui, ce sont des livres. Est-ce que ce sont des cahiers? Non, ce ne sont pas des cahiers, ce sont des livres. Un mouchoir, un sac, un gant, une cravate, une horloge, une fenêtre, une porte, un plancher, un plafond, une lampe, un calendrier, un mur, une montre, une clé. Nombre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Page 29. Prononciation. Est-ce que c'est? Ce sont? Ce ne sont pas. Des garçons. Des hommes. Deux hommes. Un mouchoir. Deux sacs. Trois horloges. Trois gants. Cinq murs. Cinq horloges. Six horloges. Six bancs. Sept bancs. Huit horloges. Huit calendriers. Neuf gants. Dix horloges. Dix fenêtres. Page 34. Leçon 3. Voici un crayon. Voici un livre. Maintenant, le crayon est sur le livre. Voici une gomme. Voici une serviette. Maintenant, la gomme est sur la serviette. Les crayons sont sur le livre, les gommes sont sur la serviette. Où est le cahier? Le cahier est dans la serviette, il est dans la serviette. Où est la règle? La règle est sous le livre, elle est sous le livre. Où est le professeur? Il est devant le tableau. Où est le tableau? Il est derrière le professeur. Attention! Un étudiant, une étudiante, l'étudiant, l'étudiante. Où est l'étudiante? Elle est dans la classe. Un oiseau, l'oiseau. Une horloge, l'horloge. Page 36. Prononciation. L'étudiant. L'étudiante. Les étudiants.
L'homme. Les hommes. Le crayon. Où? Sur. Sous. Dans. Devant. Derrière. Page 40. Leçon 4. Le livre vert, la robe verte. Masculin, féminin, pluriel. Le livre est vert. La robe est verte. Le livre est gris. La robe est grise. Le livre est brun. La robe est brune. Le livre est noir. La robe est noire. Le livre est bleu. La robe est bleue. Les livres sont verts. Les robes sont vertes. Attention. Le livre est rouge. La robe est rouge. Le livre est jaune. La robe est jaune. Le livre est rose. La robe est rose. Le livre est blanc. La robe est blanche. De quelle couleur est la craie? La craie est blanche. Est-ce que la craie est verte? Non, la craie n'est pas verte, elle est blanche. Page 48. Leçon 5. Le verbe être. Les adjectifs. Suite. Je suis grand. Tu es petit. Oui, je suis petit. Monsieur, vous êtes petit. Madame, vous êtes petite. Mademoiselle, vous êtes petite. Il est petit, elle est petite. Nous sommes petits. Oui, vous êtes petits. Ils sont petits, elles sont petites. Le mur est haut. Le mur est bas. Le crayon est long. Le crayon est court. Le banc est large. Le banc est étroit. Le livre est épais, gros. Le livre est mince. Le calendrier est carré. Le calendrier est rond. Le calendrier est rectangulaire. Le couteau est pointu. Comment est le mur? Il est haut. Comment sont les murs? Ils sont hauts. Page 51. Prononciation. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Monsieur. Mademoiselle. Haute. Long. Longue. Épais. Épaisse. Gros. Grosse. Rond. Ronde. Pointu. Pointu. Carré. Carré. Page 54. Leçon 6. Des chapeaux. Il y a. Y a-t-il. Singulier. Un tableau, un couteau, un oiseau, un chapeau, un manteau, un bateau. Pluriel, des tableaux, des couteaux, des oiseaux, des chapeaux, des manteaux, des bateaux. Un livre est sur la table, des livres sont sur la table. Il y a un livre sur la table, il y a des livres sur la table.
Qu'y a-t-il sur la table? Sur la table, il y a un livre. Y a-t-il un cahier sur la table? Non, il n'y a pas de cahier sur la table. Y a-t-il des cahiers sur la table? Non, il n'y a pas de cahier sur la table. Combien de couteaux y a-t-il sur la table? Il y a deux couteaux. Nombre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 30, 31, 32. 40, 41, 42. 50, 51, 52. 60, 61, 62. 70, 71. Page 55. Prononciation. Les tableaux sont noirs. Dans la classe, il y a deux fenêtres. Y a-t-il? Qui y a-t-il? Combien y a-t-il? 10 hommes. 11 hommes. 15 hommes. 18 hommes. 18 femmes. 20 étudiants. 22 étudiants. 50. 60. 70. Page 60. Leçon 7. Je suis. Je ne suis pas. Suis-je? La matière. 1. Je suis grand. Je ne suis pas petit. 2. Tu es grand. Tu n'es pas petit. Vous êtes grand. Vous n'êtes pas petit. 3. Il est grand. Il n'est pas petit. Elle est grande. Elle n'est pas petite. 1. Nous sommes grands. Nous ne sommes pas petits. 2. Vous êtes grand. Vous n'êtes pas petit. 3. Ils sont grands. Ils ne sont pas petits. Elles sont grandes. Elles ne sont pas petites. Le banc est lourd. Il est en bois. Le bois. Le cahier est léger. Il est en papier. Le papier. En quoi est la bouteille? Elle est en verre. Le verre. En quoi est la clé? Elle est en fer. Le fer. En quoi est le mur? Il est en pierre. La pierre. En quoi est la robe? Elle est en étoffe. L'étoffe. En quoi est le soulier? Il est en cuir. Le cuir. Voici un banc. Est-il en bois? Oui, il est en bois. Voici une clé. Est-elle en bois? Non, elle n'est pas en bois. Elle est en fer. Voici des souliers. Sont-ils en cuir? Oui, ils sont en cuir. Voici des robes. Sont-elles en cuir? Non, elles ne sont pas en cuir. Elles sont en étoffe. Nombre. 80, 81, 82, 90, 91, 92, 99, 100. Page 69. Leçon 8. Le verbe avoir. Le corps. Voici un garçon. C'est Pierre Vincent. Il a une tête ronde. Voici la tête de Pierre Vincent. Il est fort. Il a quatre membres robustes. Voici le bras gauche. Et voici la jambe droite
de pierre. Il a deux mains et deux pieds solides. Voici la main gauche et le pied droit de pierre. Il a des doigts minces, un long cou, des coudes pointus, mais des genoux, un genou, ronds, des épaules carrées, un dos et une poitrine larges. J'ai deux mains. Tu as, monsieur, madame, mademoiselle, vous avez deux mains. Il, elle, a deux mains. Nous avons deux mains. Vous avez deux mains. Ils, elles ont deux mains. Verbe avoir. J'ai deux jambes. Ai-je deux jambes? Oui, vous avez deux jambes. J'ai deux bras. Ai-je deux bras? Oui, vous avez deux bras. Le chien a quatre pattes. A-t-il quatre pattes? Oui, il a quatre pattes. L'oiseau a deux ailes. A-t-il deux ailes? Oui, il a deux ailes. Je n'ai pas de pattes, j'ai des jambes. Vous n'avez pas d'ailes. Vous avez des bras. Est-ce que l'oiseau a une bouche? Non, l'oiseau n'a pas de bouche, il a un bec. Page 71. Prononciation. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le pied et la main ont cinq doigts. Le corps, la tête, le bras, le dos. La poitrine. La jambe de Pierre Vincent. Le chien. Page 75. Leçon 9. Mon, ton, son. La tête. Singulier. Masculin. J'ai un chapeau brun. Mon chapeau est brun. Tu as un chapeau noir, ton chapeau est noir. Il, elle a un chapeau bleu, son chapeau est bleu. Singulier, féminin. J'ai une cravate brune, ma cravate est brune. Tu as une cravate noire, ta cravate est noire. Il, elle, a une cravate bleue. Sa cravate est bleue. Pluriel, masculin et féminin. J'ai des chapeaux bruns. Mes chapeaux sont bruns. J'ai des cravates brunes. Mes cravates sont brunes. Tu as des chapeaux noirs. Tes chapeaux sont noirs. Tu as des cravates noires. Tes cravates sont noires. Il, elle a des chapeaux bleus, ses chapeaux sont bleus. Il, elle a des cravates bleues, ses cravates sont bleues. Voici un portrait. C'est le visage de Pierre Vincent. Pierre a des cheveux noirs, un cheveu, un front haut, des yeux bruns, un œil, des sourcils et des cils épais, des oreilles larges,
un nez pointu. Sa bouche est grande, ses lèvres sont rouges, ses dents sont blanches. Son menton est rond, ses joues sont roses. A-t-il une langue? Mais oui. Où est-elle? Elle est dans sa bouche. Pierre n'est ni beau ni laid. La petite Hélène, sa sœur, est blonde. Elle a de grands yeux. Ils sont bleus avec des cils noirs. Hélène est belle. Avec les yeux, je vois. Tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Verbe voir. Avec les oreilles, j'entends. Tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. Verbe entendre. Avec le nez, je sens. Tu sens, il sent. Nous sentons, vous sentez, ils sentent. Verbe sentir. Page 76. Prononciation. Mon front. Mon oreille. Tes cheveux. Tes sourcils. Tes cils. Son œil, ses yeux, votre nez, beau, belle, laid, laide. Je vois, j'entends, vous voyez. Je sens. Page 82. Leçon 10. Notre, votre, leur. Verbe en ER. Je montre ma maison. Je montre ta maison. Je montre sa maison. Pluriel. Mes maisons, tes maisons, ses maisons. Je montre notre maison. Je montre votre maison. Je montre leur maison. Pluriel. Nos maisons, vos maisons, leurs maisons. Nombres ordinaux. Premier. Deuxième. Second. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième. Page 83. Prononciation. Notre maison. Vos maisons. Il ouvre. Vous entendez. Elle marche. Second. Page 93. Leçon 11. Du, des. L'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est une horloge. Elle est ronde. Elle a un cadran avec des chiffres et deux aiguilles. Les chiffres du cadran sont noirs. La petite aiguille est l'aiguille des heures. Une heure. La grande aiguille est l'aiguille des minutes. Une minute. La montre a une troisième aiguille pour les secondes. Une seconde. Une heure égale 60 minutes. Une minute égale 60 secondes. Quelle heure est-il? Il est 2 heures. Il est 5 heures. Il est 9 heures. Il est 2h05. Minute.
Il est 5h10. Il est 9h20. Il est 2h15. Il est 5h30. Il est 9h15 ou 10h moins le quart. Page 95. Prononciation. L'aiguille des secondes. Les chiffres du cadran. Il est 2h30. Il est 9h. Il est 5h20. Il est 00h15. Le matin. Le soir. L'après-midi. En avance. En retard. Page 100. Leçon 12. Oh. Oh. Le jour. La semaine. Le mois. L'année. Quel jour est-ce aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le 1er mai. Aujourd'hui, 1er mai, le présent. Hier, 30 avril, le passé. Demain, 2 mai, le futur. Une semaine à 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi est le premier jour de la semaine. Dimanche est le septième, le dernier jour de la semaine. Un mois à 4 semaines. Une année, un an, à 12 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous sommes au mois de mai ou en mai. Nombres ordinaux. 20e, 21e, 22e, 30e, 40e, 50e, 60e, 70e, 71e, 80e, 81e, 90e, 91e, 100e. Page 101. Prononciation. Le jour. Le mois. L'année. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Janvier. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Aujourd'hui. 20e. 60e. 91e. Page 105.
Leçon 13. Verbe en IR. Les saisons. L'année a 4 saisons. La saison. Le printemps masculin, l'été masculin, l'automne masculin et féminin, l'hiver masculin. En Europe, le printemps commence le 21 mars et finit le 21 juin. L'été commence le 22 juin et finit le 22 septembre. L'automne commence le 23 septembre et finit le 21 décembre. L'hiver commence le 22 décembre et finit le 20 mars. Au printemps, le ciel est bleu, le soleil brille, il fait beau. Le temps est beau. Les arbres ont des feuilles vertes. Le printemps est la saison des fleurs. En été, quel temps fait-il? En été, il fait beau et il fait chaud. Chaud est le contraire de froid. Déjà, les fruits grossissent. Sont-ils bons? Non, pas encore. En automne, le ciel est gris. Il pleut. J'ai un parapluie. Il fait du vent. Les feuilles des arbres tombent. Quel temps fait-il en hiver? En hiver, il fait froid. La neige tombe et la terre est blanche. Je fais du feu dans la maison. Verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Le maçon fait un mur. Les maçons font des murs. En été, il fait jour tôt. Il fait nuit tard. En hiver, il fait jour tard. Il fait nuit tôt. Page 107. Prononciation. Je finis. Nous finissons. Ils finissent. Il fait froid en hiver. Il fait chaud en été. Le printemps. L'automne. L'hiver. La feuille tombe. Il fait jour tôt. Il fait nuit. Page 112. Leçon 14. Ce. Sept. Sept. Les mesures. Féminin. L'âge. Masculin. Cette image représente la classe d'Hélène Vincent. Cette classe est grande et claire. Elle mesure 9 mètres de long, 7 mètres de large et 5 mètres de haut. Cette dame à droite est l'institutrice ou le professeur d'Hélène. C'est une Française. Son nom est Leblanc. Son prénom est Louise. Madame Leblanc n'est pas grande. Elle a 1,60 m. Elle n'est pas mince. Elle est grosse. Elle pèse 70 kilos. Quel âge a-t-elle? Elle a 30 ans. Elle est jeune. Le directeur de l'école a 70 ans. Il n'est pas jeune. Il est vieux. Féminin, vieille.
page 114. Prononciation. Ce crayon. Cet oiseau. Cette dame. Cette horloge. Ces classes. Ces hommes. L'institutrice. Le maître. Je pèse. Vieux. Vieille. La longueur. La hauteur. La largeur. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec la main, à la mode, on les plante avec la main, à la mode de chez nous. On les plante avec le pied, à la mode, on les plante avec le pied, à la mode de chez nous. On les plante avec le doigt, à la mode, on les plante avec le doigt, à la mode de chez nous. On les plante avec la jambe, à la mode, on les plante avec la jambe, à la mode de chez nous. Gentille alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, et la tête, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et la tête, alouette, alouette, ah. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et le bec, et la tête, alouette, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et les yeux, et les yeux, et le bec, et le bec, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.